Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse du perso Reo Mikage. Bien sûr, je ne l'ai pas dans la team, mais on peut le tester vu qu'on l'a en guest en entraînement. Et pour le moment, on peut le tester que. Enfin, je peux le tester qu'en en entraînement, vu que je ne l'ai pas drop. Mais bon, dans tout cas, je pense le drop plus tard, dans les futurs portails et tout, vu que tous les nouveaux persos qui arrivent, à chaque fois, ils sont disponibles dans les prochains portails. Du coup. Tranquille. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du perso. Moi, j'ai pu le tester et je trouve le perso vraiment bullshit. On va tester dans certaines conditions le perso. Du coup, là, on va aller monter Nagi plutôt. On va monter Nagi. Je l'ai monté niveau 70. On le remplace. Et on va mettre ici, je dirais, Barreau. On va mettre Barreau. Et à côté, en guest, on va prendre Reo. Ok. Alors, je vous dis rapidement ce que le perso fait, c'est du bullshit. Amélioration de stats en accélération, en sagesse, en pratique, augmente également le taux de drop des cartes gold et augmente également les statistiques quand la team marque au-delà de 2 buts. Ça, c'est... Ouais, bon, voilà. Et en termes de ça, je pense que je vais revenir sur ça. Et on va tester ce que le perso donne dans cette formation. Du coup, Gagamaru, Bashira, Baro, Nico et Reo. Normalement, le taux de proc doit être énorme. Let's go. En vrai, je pouvais mettre Kunigami et je pense le mettre sur... Ben voilà. Voilà, ça commence. Let's go. Pas 2 en plus. Let's go. N'oublions pas que j'ai aussi niveau 70, Nagi. Encore, let's go, on prend. Incroyable. Dites-moi ce que vous pensez du perso dans la barre des commentaires. Et si vous avez besoin d'aide, le Discord est disponible dans la barre de description, les amis. Et 3 fois. Let's go. On est déjà en C1. On n'est même pas arrivé au premier match. Encore. Voilà. L'enchaînement. Incroyable. Premier passif. Let's go. Premier match, 6400, ok, bon. Le perso va, je pense, remplacer dans les trois quarts des formations Nico. Hein. Je crois que là c'est bleu, si je dis pas de bêtises, ça va m'augmenter le tir et le physique. Plus un passif. Non, la polyvalence, bon, on prend parce que... Oh, ben let's go. Ça c'est un... C'est dommage. C'est dommage qu'on me le donne en fait maintenant. Parce que j'aurais préféré partir en pause. Par contre ça je prends. Ça je prends. C'est trop hein. C'est trop les gars. C'est vraiment trop hein. Vous allez péter un câble quand vous allez voir la vidéo. Oh le bordel. Enfin. Allez let's go. Repos. On se met au moins en... On va essayer de se mettre en extrême après ce repos. Passif. Eh ben non, on a mieux. On va prendre ça. Ah, j'aurais dû prendre l'autre en vrai. Donne-moi un passif. Allez, Reo. Non, mais ça me donne des stats un peu dans ce que je souhaite. Encore. Vous avez vu l'enchaînement? Il est incroyable, hein? On va prendre. On continue sur du bleu. Ça va me donner des stats dans ce que je souhaite. Voilà. Repos. Normalement, après ça, on a le match. Ça va me donner des stats déjà là. Un petit dialogue auto. Voilà, dialogue auto. Passif, s'il te plaît, Bashira. Non, pas passif. Ok. 9000, ok. C'est correct. C'est correct. C'est très correct. Let's go. Pas mal tout ça.
C'est incroyable. Let's go! Bah, on prend ça, hein. Oh, les stats. Oh là là. 4 gold sur quasiment... La team, elle est trop forte. Concrètement, là, la team, elle est trop forte. Oh là là là. Oh là 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 là. Ce run-là, c'est la première fois que j'enchaîne autant de 4 gold. Hein. On passe à la nouvelle joueuse. Enfin, à l'autre moitié. Let's go. Mais juste... Incroyable. Incroyable. Donne-moi un passif, toi aussi, allez. Repos. C'est incroyable les stats, là vous vous rendez pas compte. Hein. Normalement c'est ça. C'est ce que j'avais pris tout à l'heure sur pour Isagi. Incroyable. Repos. Ça va me donner. Allez, donne-moi. Il va me donner la sagesse. Ouais. Mais attendez. Match. Ok. Bon, on prend, hein. Mais ça on prend par contre. Ah, dommage. Dommage, dommage. Oh, l'enchaînement de fou malade, vraiment. Dommage que j'ai pas des fois 300 ou fois 400. C'est incroyable, hein. Ben on va continuer sur ça. Hein. Ok, ça. Let's go. Oula, 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 oula. Ok. C'est bon, problème résolu. Ok. Petit bug. Ok, c'est bon. Bon, on prend. Oh, attends, attends, attends. Ok, ça va, ça va. Oh, l'enchaînement. Let's go. Oh là là. Ah, c'est vraiment le perso, il est juste incroyable. Il me reste encore deux matchs. Hein. On a du 17700 là. Ben, let's go. Du coup, là, normalement, on partira en pause. J'aurai un dialogue auto par la suite. Ça va... J'aurai une chance d'avoir un passif supplémentaire. 4 gold, pourquoi pas. On prend. Du coup, repos. On se mettra en S+. Voilà, dialogue auto, comme j'avais dit. Plus passif, ouais. Je l'ai prédit, hein, je suis trop fort. Hein. Bon, on prend. On n'a pas le choix. Oh, oh oui. On prend avec plaisir. Let's go. Est-ce que c'est le dernier match? Bah, 3-0. Je vous ai dit, Réo, il est beaucoup trop fort. Il est trop fort. Il va rentrer dans toutes les teams. Hein. Pour le quand le PVP va arriver, le vrai gameplay, ça sera une dinguerie le perso. Hein. Pas sûr de ça, mais let's go. Hein.
Normalement, je crois que c'était. Ben non. Ben prends. Bon, vu que c'est le dernier, faut quand même un petit S plus. Dommage. Je connais pas encore le dialogue de Réo et de. En vrai, on prend. Les stats sont incroyables, hein. On se rend pas compte, les gars. C'est une dinguerie, hein. Dommage. Je serais passé en B ici. Ça, B et D plus là, ça aurait été incroyable. Mais on est sur du A quand même, hein. Vous voyez, le perso, il est. J'aimerais bien vous refaire un autre test, mais ça va prendre 25 minutes et on n'est pas là pour là pour ça. Et du coup, les amis, c'était juste pour vous montrer que en augmentant plus ou moins n'importe comment, l'unité reste très très forte en tant que support guest level 100. Et voilà, hein. Que dire? Que dire sur l'unité, hein? Elle est incroyable, hein. Elle est vraiment incroyable. Voilà. À ne pas sous-estimer. C'est un perso qui sera également fort pour les matchs et le reste. Vu que il a une très bonne polyvalence, un bon physique et une bonne intelligence. Du coup, sagesse, si vous préférez. Et dans sa globalité, le perso reste très correct. Vu qu'il peut être joué en défense, en attaque, comme en milieu de terrain. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace!